Jardy Triola, présidente et cofondatrice d'Urgence Chrono. L'Urgence Chrono a pour mission de désengorger les services d'urgence depuis maintenant 7 ans. On a développé toute une suite logicielle qui va permettre d'une part d'informer les patients en amont des urgences pour pouvoir les orienter, qu'ils puissent se guider un petit peu et trouver où est la bonne structure pour consulter, ne pas aller systématiquement aux urgences. On va pouvoir donner au SAMU, au centre de régulation, une visibilité de ce qui se passe sur leur territoire en temps réel, combien il y a de personnes dans tel ou tel service d'urgence, le temps d'attente dans ces services d'urgence, est-ce qu'il y a des boxes de déchocage pour les urgences vitales disponibles. Donc tout ça pour améliorer l'amont des urgences. Pour les services d'urgence, on va donc calculer le temps d'attente, on va analyser en temps réel l'activité, ça va permettre aux urgentistes d'installer un écran en salle d'attente, informer les patients sur l'attente, sur l'activité, sur les structures alternatives aux urgences, leur montrer qu'ils peuvent aller consulter autre part. Et puis on va aider les urgentistes à comprendre un petit peu l'organisation de leur système, de leur service d'urgence, pour améliorer les modes d'organisation. Et enfin, sur l'aval des urgences, les problèmes de beds, de lits, c'est une vraie problématique pour les urgentistes. Là aussi, on a une solution de bed management qui va aider les urgentistes à trouver des lits dans leur établissement. Mais grâce à notre structure territoriale, on va pouvoir faire remonter les lits de différents établissements du territoire pour pouvoir faire des transferts, faciliter des sorties en fin de séjour, ne pas emboliser des lits en fin de séjour pour les personnes âgées, par exemple. Donc voilà, toute une solution très très complète et très très opérationnelle qu'on déploie depuis maintenant 2-3 ans auprès des établissements publics comme privés.